Les trois petits cochons. Les trois petits cochons et leur maman habitaient ensemble au cœur d'une jolie vallée. Le grand méchant loup vivait non loin. Dès le matin, il jaillissait de sa cabane pour épier ses voisins. Mais il n'osait jamais s'approcher. Mes fils, vous êtes assez grands pour vous installer chacun dans votre maison, dit un jour maman cochon. Chouette, s'écria le premier. Nous sommes assez grands, ajouta le deuxième, pour avoir nos maisons, conclut le dernier. Joyeusement, ils firent leur baluchon. Au revoir, mes enfants. Amusez-vous bien, mais méfiez-vous du grand méchant loup. Il adore manger les petits cochons. Et je ne pourrai plus vous protéger. Ne t'inquiète pas, maman. Nous serons prudents, répondirent les trois frères. Puis, ils partirent en fredonnant. Le premier petit cochon s'arrêta dans un champ. Je vais m'installer ici, déclara-t-il. Hâtivement, il bâtit sa maison avec des branches et de la paille. Maintenant, j'ai tout mon temps pour m'amuser. Le deuxième petit cochon s'arrêta près d'une forêt. Ici, ce sera parfait, décida-t-il. Tranquillement, il construisit une maison de bois. J'ai encore assez de temps pour m'amuser, s'exclama-t-il. Le troisième petit cochon ne fit pas comme ses frères. Patiemment, il éleva des petits murs de briques, avant de les couronner d'un toit de tuiles et de les clore d'une porte solide. Voilà, je m'amuserai demain, s'exclama-t-il, une fois sa tâche accomplie. Tout près, quelqu'un qui adorait manger les petits cochons les observait. Le grand méchant loup fondit sur la première maison. Puissamment, il souffla sur la paille qui s'envola dans toutes les directions. Affolé, le premier petit cochon s'enfuit chez son frère. Au secours, c'est le grand méchant loup, cria-t-il. Thank you.
tous deux s'enfermèrent à double tour. « Vous ne voulez pas me laisser entrer ? Très bien !» Ricana le grand méchant-loup. À nouveau, il souffla si fort que la maison de bois s'éparpilla dans les airs. Terrifiés, les deux petits cochons réussirent à s'échapper. « Au secours, c'est le grand méchant loup !» crièrent-ils en se précipitant chez leur frère. Celui-ci les accueillit et verrouilla la porte. « Toc, toc, toc !» fit le doigt du grand méchant loup en frappant le bois. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» dit-il d'une voix mailleuse. Par ma queue en tire-bouchon, tu n'entreras jamais, répondit le troisième petit cochon. Alors, tu es soufflé si fort sur ta maison qu'elle s'envolera comme les autres. Souffle autant que tu veux, je t'en prie, sourit le troisième petit cochon. Le grand méchant loup gonfla ses poumons et souffla aussi fort qu'il le pouvait. Mais il est beau recommencer. Soufflez encore et encore, pas un mur ne trembla, pas une fenêtre ne s'ouvrit, pas une tuile ne s'envola. Épuisé, il finit par s'arrêter. Puis, il réfléchit, regarda la maison et aperçut la cheminée. « J'ai une idée » grogna-t-il, l'air sournois, et il s'hissa sur le toit. Les trois petits cochons l'entendirent marcher sur les tuiles. « Il est temps de faire chauffer une bonne soupe !» conclut le troisième cochon. Plouf ! Les grands méchants loups atterrirent directement dans l'eau bouillante. « Je crois bien qu'il ne voudra plus dîner chez nous !» se moqua le troisième petit cochon en le regardant filer loin de la maison. Il avait raison, le grand méchant loup ne revint jamais dans la vallée.